La divinité, oh, dit Seigneur Jésus, n'est plus au ciel. La divinité, oh, dit Seigneur Jésus, est dans un homme. La divinité, oh, dit Seigneur Jésus, n'est plus au ciel. La divinité, oh, dit Seigneur Jésus, est dans un homme. L'éternité, le grand Dieu incréé avait pris la forme de la colonne de feu et il avait parlé d'une voix autoritaire. Et la lumière est soi et la lumière est fut. Les années sont passées, les temps s'est écoulé et la grâce tomba sur la Vierge Marie et elle a mis au monde sans avoir connu d'homme. L'ombre du Saint-Esprit créa la cellule du sang et la divinité qui était là au ciel a été déversée dans le bébé Jésus. Et à quelques minutes de la naissance de Jésus, la grande colonne de feu était descendue pour accueillir les grands dons divins. Alors que les hommes étaient tous distraits, mais les rouges et gorges ont saisi la vision et se sont rassemblés pour accueillir les rois. Car les grands dieux du ciel qui les avaient créés étaient venus sur terre dans la simplicité. Oh la divinité, oh, oh dit Seigneur Jésus, n'est plus au ciel. La divinité, oh, oh dit Seigneur Jésus, est dans un homme. Quand le grand Jésus s'était mis en marche, c'était tout le ciel qui était sur terre. Quand il s'était tenu devant la tombe de Lazare, c'était Dieu le Père devant la tombe de Lazare. Et la même foi qui créa l'humanité, et la lumière est soi, et la lumière est soi, a encore parlé devant une foule de gens. En cette tombe Jésus, Lazare sort de la tombe. Quand cette femme, à la perte de sang, a vu la divinité se promener sur terre, elle s'est dit en elle-même, si j'arrivais seulement. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Quand cette femme, à la perte de sang, a vu la divinité se promener sur terre, elle s'est dit en elle-même, si j'arrivais seulement à toucher son vêtement, moi je serais guéri. Et quand elle a touché, Jésus s'est écrié, oh, oh qui m'a touché, car la vertu m'a quitté. Quand tu crois mon frère, ta foi bouge Dieu. Quand tu crois pasteur Neville, tu fais bouger Dieu. Et quand tu dis un mot, le ciel dit amen, car c'est la foi qui met Dieu en scène. Oh la divinité, la divinité, oh, oh. Jésus n'est plus au ciel. La divinité, oh, dit Seigneur Jésus, est dans un homme. Et encore une fois, les années sont passées, les temps s'est écoulé, oh, oh, gloire à Dieu, cette même divinité rendez Jésus Dieu a été déversé en William Branham, la grande colonne de feu, oh, oh. En William Branham, les 6600 volts. En William Branham, toute la gloire de Dieu. En William Branham, donc Dieu a fini sa course. En William Branham, 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 Kwani Kwaji King, Amonouza Mimoumoutoué, Branham, Branham, Kwani Kwaji King, Amonouza Mimoumoutoué. C'est quoi ce silence d'une demi-heure dans le ciel? Frère Branham me dit que c'était le changement d'une.
lieux d'adoration. Le trône a quitté le ciel, changement de fréquence. Les prophètes de l'Ancien du Nouveau Testament et les messagers avaient tellement hâte de voir la divinité de notre Seigneur Jésus déversée dans un homme, un prophète comme eux. Et un glorieux matin, ils ont regardé au trône. Le trône était vide, Dieu était sur la terre. Car la seule chose qui retardait Dieu au ciel, c'était la septième étoile dans la main du Dieu vivant. Quand Dieu a lancé sa dernière cartouche, lui-même est descendu, caché dans sa cartouche. Quand Pentecôtiste regarde, il dit: moi je vois un homme. Oui, il a raison, car là il y a un homme. Quand un adorateur vient, il dit: moi je vois Dieu. Oui, il a raison, car là il y a Dieu. Mais attention, c'est question de discernement. Branham n'est pas Dieu, mais il a voilé Dieu. Et quand l'épouse regarde, elle voit Dieu dans la chair. C'est ça, Muntu Zambi, Zambi Munda moi Muntu. Et quand Branham parle, c'est Dieu lui-même qui parle. Quand Branham prêche, c'est Dieu lui-même qui prêche. Dieu en William Branham est rentré en Genèse 1. Que l'écureuil soit et l'écureuil fut. Oh la divinité, oh. Le Seigneur Jésus n'est plus au ciel. La divinité, oh. Le Seigneur Jésus est dans un homme.